diagnostiqué par notre système assez rapidement et nous avons déclenché l'ensemble, n'est-ce pas, des mécanismes de traçage, n'est-ce pas, de ses contacts et de sa prise en charge parce qu'en ce moment il est isolé à l'hôpital central de Yaoundé. Nous avons aussi des équipes, n'est-ce pas, qui sont allées désinfecter tous les lieux où il a dû séjourner et nous pensons que la situation en ce moment est encore sous contrôle. Alors, quand vous dites qu'il est sous contrôle, ça veut dire que le système de riposte doit se déployer de manière la plus efficace maintenant pour le Cameroun. Ah oui, ça nous avons déjà anticipé, parce que depuis hier, lorsque nous soupçonnions le cas, et je vais pouvoir le dire, ce n'est pas le seul cas suspect que nous avons eu déjà. Et donc, malheureusement, ici, c'est possible, mais d'autres ont été négatifs. Mais lorsque nous suspections déjà le cas, nous avions déployé tout le mécanisme, que ce soit autour de lui, pour pouvoir le confiner à l'endroit où il est, pour qu'il ne soit pas en contact avec d'autres personnes, que ce soit maintenant dans un entretemps avec lui, pouvoir retracer, n'est-ce pas, tous ses contacts, que ce soit également la fiche qu'il a dû remplir lorsqu'il est arrivé au Cameroun. Donc, tout ce mécanisme est en branle en ce moment. Les collaborateurs sont sur le terrain et on essaie un peu de circonscrire, n'est-ce pas, ce cas-là. Si besoin l'est, nous pouvons rapatrier d'autres collaborateurs bien formés dans d'autres régions parce que je voudrais dire que nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de cette épidémie. Alors, Monsieur le ministre, le Cameroun accueille le CHAM dans 3 semaines. Cela ne constitue pas une menace pour cet événement? Non, au stade actuel, on ne peut pas parler de menace encore. Vous savez que il y a toute une comment dirais-je, il y a un ensemble d'éléments pour qualifier cette épidémie de menace pour une activité ou pour autre chose. Donc, pour le moment, on ne peut pas encore parler de menace.